Mes chers élèves de séance 1, deuxième année primaire, bonjour. Je vous présente encore une fois votre livre préféré, L'arbre au bois. Alors cette fois, on va voir partie de conjugaison. D'accord? On va comprendre une nouvelle leçon. C'est vraiment très intéressant pour vous. Alors, prenez s'il vous plaît votre livre L'arbre au bois et suivez avec moi. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est conjugaison. Cette fois, c'est dire et venir. Ce sont deux verbes du troisième groupe. Alors, on va commencer par observation. J'observe et je découvre. Je lis les phrases d'abord. Je viens à l'école en car. Je dis. C'est pratique. Elle vient à l'école en voiture. Elle dit, c'est plus rapide. Venez à l'école en vélo. Vous dites, c'est mieux pour la planète. Alors, ici, réécris la troisième phrase en remplaçant vous par nous, puis par tu et par les enfants. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est donc la conjugaison du verbe dire? Alors, on dit je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Pour le verbe venir, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Alors, je viens. Alors, je viens à l'école en car, et ici le verbe venir. Je viens, c'est le verbe venir. Je dis, c'est le verbe dire. Elle vient, c'est le verbe venir. Elle dit, c'est le verbe dire. Venez, c'est le verbe venir. Je dis, c'est le verbe dire. Alors, je viens à l'école en car, je dis, c'est pratique. Elle vient à l'école en voiture, elle dit, c'est plus rapide. Venez à l'école en vélo, je dis, c'est mieux pour la planète. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Oralement, faut l'apprendre oralement d'abord. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Alors, écrire la troisième phrase ici, c'est vous venez à l'école en vélo et vous dites, c'est mieux pour la planète. Écrire la troisième phrase en remplaçant vous par nous. On dit, nous venons à l'école en vélo. Nous venons à l'école en vélo. Nous disons c'est mieux pour la planète. Nous venons à l'école en vélo. Nous venons à l'école en vélo. Nous disons c'est mieux pour la planète. Puis tu, on dit tu viens à l'école en vélo. Tu dis c'est mieux pour la planète. Tu viens à l'école en vélo, tu dis, c'est mieux pour la planète. Et par les enfants, je sais déjà que les enfants, on peut remplacer par il avec s. Alors on dit, les enfants viennent, viennent. Alors d'abord, c'est l'oral et après, c'est l'écriture. Ils viennent, les enfants viennent, voilà, viennent à l'école en vélo. Et les enfants disent. C'est mieux pour la planète. Alors, on a déjà souligné les verbes ici. C'est le verbe venir et le verbe dire. Quel est l'infinitif des verbes souligner? C'est le verbe venir et dire, puisque c'est la leçon d'aujourd'hui. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Bien sûr, c'est le présent. Quelles sont les terminaisons du verbe venir conjugué au présent? Alors, je viens avec S, tu viens avec S, il vient avec T. Nous venons en NS, vous venez. Ils viennent. Avec ONT, mais attention, le radical change. C'est ça les caractéristiques de troisième groupe. Parfois, le radical change. À quelle personne le verbe dire n'a-t-il pas la même terminaison que le verbe venir? Surtout, on dit vous dites. On dit vous venez, d'accord? Vous dites. Alors, la conjugaison, c'est pratique. Il faut savoir conjuguer oralement et par écrit. Alors, on va faire quelques exercices pour faire un entraînement.
Et après, je vous laisse bien sûr mémoriser le verbe venir et dire. Vous avez déjà sur votre leçon de, sur votre cahier de leçon, voilà. Écrire l'infinitif du verbe souligner. D'abord, on lit. Je dis la vérité. Tu viens avec ton frère. Elle vient au gymnase. Nous disons la réponse. Vous dites votre saison préférée. Ils viennent cet été. Alors, toujours avec le thème de Clément, le temps qu'il fait. Alors, je dis, c'est le verbe dire. C'est la même chose que nous disons. C'est la même chose. Vous dites. Hein? Regardez ici, venir, comment c'est écrit. Elles viennent. Alors, je dois mémoriser l'orthographe de ce mot. Alors, je mémorise l'orthographe de ce mot. Alors, viennent. Elle vient, c'est le verbe venir. Il vient, c'est le verbe venir. Tu viens, c'est le verbe venir. Je dis, dire. Hein? Nous disons, vous dites, c'est dire. Hein? Tu viens, il vient, il vient, c'est le verbe venir. Alors, complète les phrases avec les verbes proposés. Venons, viens, viens, dis, disons, dites et dit. Alors, on dit, nous disons, hein, parfois, nous disons parfois des bêtises. Oui, nous disons parfois des bêtises. Alors, tu viens, je choisis ici, tu viens à pied à l'école. Ils viennent, attention à l'orthographe, hein. Ça marche pour deuxième année, hein. Alors, si tu es capable de conjuguer oralement et par écrit le verbe venir et dire, alors c'est formidable. C'est vraiment formidable. Et vous pouvez utiliser, et tu l'utilises bien sûr dans la partie de communication, sur la partie de l'oral, etc. Oui, c'est vraiment pratique. Alors, on dit, nous disons, ah, voilà, nous disons parfois des bêtises, tu viens à pied à l'école, il est. Ils viennent chez moi, vous dites une poésie, il fait sa table d'addition, c'est pas... il dit sa table d'addition, je dis la vérité, nous venons profiter du beau temps. Nous venons profiter du beau temps. Alors, nous venons parfois, nous disons parfois des bêtises. Tu viens à pied à l'école, ils viennent chez moi, vous dites une poésie, ils disent sa table d'addition, je dis la vérité, nous venons profiter du bouton. Alors, choisis le pronom personnel qui convient. Alors, c'est pratique comme exercice. Nous et vous venez ensemble. Alors, choisis vous venez ensemble. Vous venez ensemble. Ils disent bonjour. On dit ils disent bonjour. Ils disent bonjour. Nous venons te voir. Nous venons te voir. Nous venons te voir. C'est pas vous venez te voir. Non, nous venons te voir. Tu dis un mensonge. Tu dis. On ne dit pas il dit. Il est avec t. Je viens avec toi. Non, et il vient avec toi, puisqu'elle a terminé son situ. Alors, je choisis. Venez ensemble. Ils disent bonjour. Nous venons te voir. Tu dis un mensonge. Il vient avec toi. Alors, écris les phrases avec le pronom personnel indiqué. Alors, je viens jouer avec toi. On dit, il vient jouer avec toi. Il vient jouer avec toi. Il vient avec toi. Elle dit merci, on dit tu dis merci avec S, tu dis merci avec S. Nous disons la règle du jeu. Vous dites, regardez ici, vous dites, dites, vous dites la règle du jeu. Vous venez pour vous baigner, ils viennent pour se baigner. Ils viennent pour se baigner, ils viennent pour se baigner. Je dis la leçon, elles disent. La leçon. Ils lisent la leçon. Alors, il vaut mieux de. Alors, voilà, sur nuage, page 90, cherche le verbe à l'infinitif qui se conjugue au présent comme venir. Comme venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Et pour le verbe dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent.
faut commencer par l'oral et ensuite par l'écrit. Voilà, c'est tout pour le moment. Dans la prochaine vidéo, comme d'habitude, correction des activités de conjugaison, le présent des verbes dire et venir. Ce sont deux verbes de troisième.